je vais pouvoir avoir accès à tout un panel d'offres qui vont me permettre d'ajuster en fait ma communication, de pouvoir communiquer sur le public ciblé ou alors carrément d'aller très très large au niveau des publics auprès desquels je souhaite communiquer. Aussi, ce qui est intéressant sur l'OT, c'est les supports. Hein. Les supports que crée l'OT, les guides touristiques, les revues, plutôt premium. Des supports aussi où nous, ça nous intéresse d'être dessus et c'est des supports pertinents en termes de communication. En tant que structure viticole, on est partenaire de Médoc Atlantique depuis 2017, avec un intérêt évidemment de faire la promotion de notre activité non seulement dans le territoire, mais également au-delà, en France et même à l'étranger, donc c'est pour nous essentiel. Au niveau de la presse aussi, dès qu'ils ont un journaliste, ils ont fait appel à nous aussi pour les héberger ou pour faire des petits reportages. Donc pour nous c'est pertinent parce que c'est toujours un moyen d'entretenir une communication et du réseau au niveau des médias, hein, ce qui est important en termes de produits, de qu'est-ce qu'on propose. Alors récemment, on a pu participer à une conférence de presse ou un repas de presse également sur Paris. À deux reprises, donc ça a été un succès et toujours très intéressant. On a participé cette année pour la deuxième fois au salon pour les professionnels à Bordeaux. Du coup, ça nous permet d'unir nos forces, c'est vraiment un atout, des retombées vraiment qui sont collectivisées et on reviendra avec plaisir faire un salon avec Médoc Atlantique. Sans cette communication-là, à moins déjà d'avoir un réseau énorme et une communication déjà bien établie, moi pour ma jeune entreprise de 3 ans, je ne peux pas faire sans l'office de tourisme, c'est impossible. L'office de tourisme m'aide vraiment à pouvoir travailler et à l'année. Alors depuis cette année, on est inscrit donc sur la plateforme Médoc Atlantique Travel en ligne donc, où les gens peuvent réserver leurs visites ou leurs expériences. À terme, la possibilité, c'est surtout d'avoir des réservations anticipées par rapport aux réservations globales de séjour que propose du coup la billetterie. C'est vraiment un nouveau support et surtout qui est global. Du coup, qui va permettre nous de proposer nos offres, quelles que soient les activités. En location de vélo, par exemple, ça permet aux gens d'anticiper leur séjour, de tout réserver d'un coup, que ce soit les réservations en hôtel, en résidence, d'avoir les moyens à côté de réserver les locations de vélo, les activités, etc. Et depuis 3 ans, on participe aux After Beach, qui sont des soirées dans les châteaux de Médoc Atlantique et de Médoc Plein Sud qui nous permettent d'accueillir les locaux et les voyageurs qui sont là en été pour un moment convivial après la plage, donc pour faire découvrir le château dans un contexte un petit peu plus repas convivial. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir participer au premier petit-déj des partenaires de Médoc Atlantique à Soulac, et c'est vrai que je ne regrette absolument pas parce que pour moi ça a été vraiment plus que bénéfique. Parce que j'ai pu rencontrer des partenaires, de créer des liens avec eux, et on voit qu'en fait il peut y avoir une certaine synergie entre nous tous. Donc j'étais un inconnu sur la région, et là j'ai maintenant mon petit tissu relationnel entre le jet ski, entre les hébergements, les campings, etc. Donc ça m'a permis vraiment de me faire connaître et de créer vraiment un lien avec tous ces partenaires que j'entretiens toujours et des partenaires avec qui je suis toujours en contact. Grâce à l'Office de tourisme, on a pu avoir le label Accueil Vélo l'année dernière et cette année le label Accueil Compostelle. Grâce à Médoc Atlantique, on peut avoir des livrets des villes des alentours ainsi que des cartes et des plans touristiques qu'on offre à chaque client lors de son arrivée. Bah, c'est un service toujours de rencontre, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est les personnes de l'office qui viennent chez nous dans notre structure, donc c'est vrai que c'est intéressant de les avoir sur cette livraison et nous d'avoir en plus tout de suite accès à ces supports dès qu'ils sont sortis, dès qu'ils sont édités. C'est important d'avoir un partenariat avec l'Office de tourisme, tout simplement parce que ils ont une connaissance du métier. Nous, on s'occupe de notre hébergement, tandis que l'office, ils sont assez larges au niveau connaissance. C'est très bien pour moi et pour mon activité d'avoir accès à un petit peu tout ça et d'avoir aussi les interlocuteurs vraiment privilégiés. On sait à qui on s'adresse pour telle ou telle chose et à chaque fois qu'on a une réponse, elle est précise et on sait où on va, quoi. Parce que, ok, c'est bien beau de chercher sur Internet, mais des fois, pour plus de rapidité, on appelle l'Office de tourisme, on sait qu'ils donneront la formation directe. Quoi. Être présent sur la pointe du Médoc et ne pas être partenaire de Médoc Atlantique, ça serait vraiment dommage, quoi. C'est-à-dire que c'est une vitrine, c'est un moyen de créer des liens entre nous tous et puis d'être visible auprès des touristes et des personnes qui passent dans le Médoc. Donc oui, pour moi, oui, c'est
D'ailleurs, je revendique et j'affiche sur mon site le fait d'être partenaire de Médoc Atlantique. Plus on est, plus on sera fort dans le secteur. C'est l'importance aussi de grandir cette visibilité dans le Médoc. C'est vraiment la porte d'entrée pour les visiteurs sur toute la côte atlantique pour accéder à toutes les expériences, toutes les infos. C'est pour moi essentiel d'être représenté dans les points relais, sur Internet et toute l'année par les actions de Médoc Atlantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas à l'OT en termes de communication, on est un peu à côté en fin de compte. On est un peu en dehors. Et qu'il y a un besoin de synergie quand même. On a un territoire où on marche sur de la saison, on a les ailes de saison, on essaie de travailler, et on a besoin de cette énergie, et l'OT en fin de compte est l'espace de rencontre de cette énergie territoriale. Un partenariat que je renouvellerai l'an prochain sans hésiter. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est un indispensable de mon activité. Voilà, que du positif.